Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre des pop-corn et à prendre un petit iced tea et vous caler tranquillou ou un petit coca comme vous voulez. Parce que là on se retrouve sur un épisode tirage opening, donc je vais ouvrir pas mal de wheel spin. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme la précédente vidéo tirage opening sur FH4 qui a fait plus de 1500 pouces bleus. Donc maintenant tout de suite, vous me mettez un pouce bleu et vous partagez cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous. Je vous remercie les gars, ce serait génial qu'on dépasse ce record. Donc bref, on va commencer tout de suite par les petits super wheel spin. Donc là, comme vous allez le voir, ça va être tuningo. J'en ai pas mal à ouvrir, donc j'espère en tout cas que ce format de contenu vous fait plaisir. Donc là, on a une petite féfée 458 spéciale. Speciale. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et je vais aussi vous mettre un écriteau noir à la toute fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester. Surtout parce que je vais vous mettre les voitures édition Horizon que j'ai en double. Donc tous ceux qui veulent ces voitures-là, qui ne les ont pas, on sait jamais, je sais que c'est des voitures pas rares du tout. Mais si vous les voulez, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message avec la voiture que vous voulez acheter. Je vous la ferai vraiment pas cher, parce que j'ai pas du tout besoin de thunes. Donc je peux être vraiment cool sur les tarifs. Voilà. Petit 300 000 crédits, ça fait toujours plaisir, c'est le sen. Tu le sais frérot. Donc voilà, la McLaren 150S, je l'ai déjà. C'est des voitures que je peux vous revendre, hein, y a pas de souci, il faut me le dire. 300 000 crédits. Donc, ah, dommage, l'Alpha Compétition, là. On a 8C là. Ça m'en aurait fait une en plus. Oh, la GT2 RS du Seine qui a failli tomber. Ok, bah écoute, la thune, moi je dis pas non. Thune, 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 thune. Oh, l'Alpha. C'est dommage, franchement c'est dommage. Bon, après la thune, qui dirait non, voilà. Le 141 millions, je pense que bon, on est bien. La Maserati Tipo, je sais pas si je l'ai déjà. Je verrai si je la mettrai dans la liste ou pas, voir si j'ai déjà ou pas. Le Porsche Macan, dommage. Là, si je l'ai dans un tirage, je le vendrai, sans problème. À pas cher, bien sûr. La V10 Plus, je l'ai déjà aussi, donc si quelqu'un la veut, il n'y a pas de souci. Et les petits. Oh là, 400 000, mon pote, c'est plaisir ça. Allez, 500K. Ah ouais, les super wheel spin me mettent très très bien niveau thune. Ok, d'accord. Bon bah écoute, pour l'instant, ça a été rentable à moitié. Les super wheel spin. Ouais, ok. Donc on va ouvrir les autres wheel spin. On va ouvrir les autres super wheel spin. Ils sont où? Ils sont là normalement. Donc vous voyez que je les ai gardés depuis quelques mois quand même, pour pouvoir vous faire cette vidéo quand même. Ça change de l'autre, la précédente, où je sais même plus si j'avais ouvert des super wheel spin, mais bon. Puis bon, ça change. Ah bah voilà. Donc si quelqu'un veut le Volkswagen Type 2 FE, édition Forza, et bah dites-le moi en commentaire, voilà. Il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir que je vous le vendrai. À perte bien sûr. Je sais pas combien il vaut, je peux le faire à 50 000 ou 100 000 crédits, il n'y a pas de problème, ça part. Hein. Tant que ça vide mon garage, je suis content. Il n'y a pas de souci. La Nissan R390, ça je crois que je l'avais pas. La Porsche 550, il me semble que je l'ai. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble que je l'avais pas la Nissan. Alors je me trompe peut-être, hein. Arrêtez-moi si je me trompe. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein. Franchement je compte sur vous. Ce serait vraiment génial si on peut retaper un petit 100 000 vues. J'avoue que là je serais content. Bah voilà, bah, exemple type. La Bentley Continental édition Forza, je l'ai déjà en double exemplaire, il me semble. Donc là, c'est le troisième. Si quelqu'un la veut, mettez-le en commentaire, c'est avec plaisir. Ou envoyez-moi un message avec votre GT, etc. Ou dites-moi, voilà. Dites-moi ça en message ou en commentaire. Et n'hésitez pas à être nombreux à réagir aussi dans les commentaires, dans l'espace com. C'est ce qui fait que je vais être référencé auprès des autres influenceurs, frérot. Et je t'en remercie d'avance. Donc, des crédits encore. Donc là j'ai dû gagner 2 millions depuis tout à l'heure là à peu près. C'est une pluie de crédit qui s'abat sur le frérot. Et c'est plutôt sympathique. Donc là t'es là, t'es pas bien. Je te le dis moi. Donc n'hésitez pas vraiment dans les commentaires. Le Unimog si quelqu'un le veut, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres épisodes. Parce que je vous l'avais promis, je vous ai dit que s'il y a
un minimum de j'aime sur cette vidéo, je vous ferai un épisode numéro 2. Il y en a eu assez, j'ai pas offert à attendre 450 ans alors que là, des tirages, je peux en faire pas mal. Autant vous faire plaisir tout de suite, il n'y a pas de souci. C'est moi qui régale les frérots. Oh là! Ça y est, le mec il est là, il prend la grosse tête. On l'a perdu, on l'arrête plus. De genre français. Et les 15 000 crédits pour mes fans. Et attention, le dernier super wheel spin, que va-t-on avoir? C'est wheel spin du VIP, donc les tirages des VIP. Frérot, j'espère qu'on va avoir quelque chose de potable. Ça va. Des crédits, toujours plus. Ok. Ah oui, et avant que je l'oublie, j'ai déjà vu dans les super tirages des Bugatti Chiron et une fois, sans que je règle, j'avais eu un million de crédits. Donc les gens qui me disent ouais, mais tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas. Je sais très bien ce que je dis, les gars. Enfin, il y a peut-être des moments où je me trompe et je le dis dans les vidéos, mais là, je m'étais pas trompé, les frérots. 10 000 crédits, ok. 10 000 crédits. Allez, fais tomber les éditions Raison. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Bon, les crédits, je suis pas contre, hein, mais il y a un moment où il faut donner, tu vois. Il faut me donner. Donc, ah, la Cadillac, si quelqu'un la veut, il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'était rare ou pas. Voilà, 250K, nickel. Parfait, ça. Dommage, on a failli tomber sur la Nismo. 530 000 crédits, ouais, d'accord. 15 000 crédits. La dernière fois, voilà, la dernière fois, c'était une vidéo vêtements. Là, c'est une vidéo crédit. Mais je viens de voir un truc, alors je me trompe peut-être, mais ils ont enlevé tous les vêtements que j'avais, donc attendez, si je comprends bien, dans les tirages, là, vu que j'ai presque tous les vêtements, il me semble qu'il y en a deux ou trois que j'ai dû louper avec des événements, etc. Des événements saisonniers. Putain, on a failli avoir la M6, dommage. Mais du coup, ils les ont tous virés vu que je les ai déjà, et ils ont remplacé ça par des crédits. Donc c'est encore plus rentable pour moi du coup. C'est parfait ça. C'est nickel. Non, franchement, vous pouvez faire ça plus souvent, hein, les gars, pas de soucis. Dax Civic Type R de 2015. Je crois pas qu'elle est rare. Je me trompe peut-être. Ça se trouve, je l'avais pas. Ouais, 15 000 crédits, 5 000 crédits. Bah écoute, si on part sur un crédit opening, voilà, moi, y a pas de soucis. Y a pas de soucis, frérot. La California T, bah si quelqu'un la veut, c'est sans problème que je lui la vends. Y a pas de soucis. 7 000 crédits, 10 000 crédits. Attention, 5 000 crédits. Voilà, la limousine, il me semble qu'on peut la voir que dans les tirages. Je crois, je dis peut-être une connerie. Si quelqu'un la veut, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me contacter en MP. C'est une petite limousine pour mes fans. Bon, par contre, ça va être au premier qui va me la demander. Je suis désolé, les frérots, mais faut pas. Oh, j'ai vu du jaune là. On a vu du jaune, les gars. On a vu du jaune. Ah, c'était une petite Bugatti. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé la gagner. Je l'ai déjà, mais oh, le million de crédits pour mes fans. Oh. Ah, magnifique ça, un petit million de crédits là. Bon, bah, vous voyez que du coup, c'est faisable. On peut gagner le million de crédits avec les tirages. Parce qu'il y a des gens qui me croyaient pas là. Et bah voilà, vous avez la preuve sous vos yeux, ébahis, éblouis par le million de crédits qu'on peut bah du coup tomber sur le million de crédits. Et la Bugatti Chiron, bon, on l'a pas vu. Mais oh, il y avait la Ferrari aussi. Mais on peut tomber dessus, vous le voyez très bien sous vos yeux ébahis. On peut tomber sur des voitures comme ça. En ayant de la chance, certes, mais ça peut arriver. Au bout d'un moment, frérot, quand tu fais 3 000 tirages, forcément que tu vas tomber dessus, tu vois. Enfin, même plus pour certains, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus squatté le glitch que moi. Mais pour vous montrer que c'est pas du fake. Hein. Surtout que, petite dédicace à ce connard de Lucas, qui avait eu la Bugatti Chiron dans un super wheel spin au début du jeu. Hein, en octobre, quoi, je vais pas te mentir, mais ça te fout un peu le seum, tu vois. Enfin, bon, j'avais la GT2 RS, je vais peut-être pas me plaindre. Ça m'avait fait extrêmement plaisir. Et la Crown Vic. La Crown Vic, quand même, du Seine. Elle m'avait fait plaisir. Elle avait rempli mes yeux d'une certaine joie. Je vais pas vous mentir, mais c'était cool. Je suis. Oh, la petite Focus RS de 2009. Je suis dans mon Windspin ASMR. Et dites-moi si pour le prochain épisode, vous voulez un tirage opening en ASMR. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais ça pourrait être sympathique. Ça peut être cool, peut-être qu'il y a des gens qu'on en marre qu'on parle comme ça dans le micro. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qu'on en marre, donc dites-le, ripez vos oreilles, je sais. Voilà, dites si vous voulez
tirage opening en ASMR, peut-être que ça pourrait faire plaisir. Bon, j'ai pas du tout le micro adapté, hein, mais c'est jamais, ça peut être cool. Donc là, il y a que de la merde. Mais peut-être que... Allez, 7000 crédits! Et peut-être... Oh, les 30 000! Attention! Ah, il y a une Ferrari, il y a une Ferrari. Est-ce qu'on va la gagner? Et bah, bien sûr! Non, je déconne, c'est une Lotus, c'est juste qu'elle est rouge. T'as compris la ref, tu vois. Ferrari, rouge. Ok, c'est bon, j'abandonne, comprenne rien. Le mec qui pète un câble. Oh, bah non, ouais, non. Ah oui, il y a la Dodge. Ah oui! Il y a la Dodge de Char. Yep, mince, la Dodge Charger démon. La Demon. Il y avait encore le million de crédits là, je crois, dans celui-là. Bref, la Dodge Charger, je la donnerai aussi. Enfin, je la vendrai aussi si je la gagne. Sans souci. Oh, une Mustang de 65, putain. C'est sympathique quand même. 5000 crédits, ça c'est moins sympathique. Ah, il n'y a pas de légendaire. Hein. Ah, frérot, c'est chaud. Ils ont du mal à lâcher le légendaire quand même. Ouais, 15 000 crédits, c'est intéressant. 10 000. Bon, ça, il me semble que c'est pas rare, le Jeep de 45. Il me semble qu'il est pas du tout rare. Par contre, la Tipper qu'il y avait en dessous, il me semble qu'elle était rare. Celle-ci, il me semble qu'elle est pas rare. Le petit souk des familles. 60 000 crédits, bah bien sûr. 5 000 crédits. Non, par contre. Pardon. Il me semble que c'est la TTRS aussi qui est rare dans les tirages. Dommage. Le Durango, ça m'aurait plu pour le revendre. La Opel Corsa. Oh, il y avait du légendaire. Bah non, bah bien sûr que non. Et. Il me semble qu'il y a une Golf qui est rare aussi. Il y a la Golf 6R, je crois. Si je me trompe pas. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a du légendaire. C'est fou. Il y a du légendaire, du rare. Il y a du épique. Que va-t-on avoir? On a eu du épique. 190 000 crédits. Oui, je dis que c'est du épique parce que c'est violet. Je sais pas, j'avais envie. Donc là, il me semble qu'il y a que de la merde. Et on est tombé sur les 140 000 crédits. 70 000, c'est un peu moins intéressant. Mais c'est toujours des crédits de prix. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont partis d'ici là sur les 12 minutes de vidéo, mais s'il y a quelqu'un qui a une 812 Superfast ou une 800 The Doux, comme on dit dans le jargon, je peux vous la racheter, il n'y a pas de problème, je peux mettre 10 millions. C'est pas pour moi, c'est pour un frérot, mais je l'achète et je la revendrai à pas cher, donc voilà. On a loupé une magnifique Aventador d'hommage SV de 2016 qui est obtenable que dans les tirages et au. La salle des ventes aussi. Donc voilà, si quelqu'un possède une 800 The Doux, je peux y mettre 10 ou 20 millions, je m'en fous un peu, c'est pas le problème, mais voilà, ça me ferait plaisir. C'est pour mon frérot qui galère à avoir cette voiture et ça me ferait plaisir qu'il l'ait aussi. Donc, n'hésite pas à te manifester si tu veux me la vendre. Non plus, je vais pas te l'acheter 100 millions, faut peut-être pas déconner, la voiture je l'ai déjà, c'est pas pour moi. Mais bon, si tu veux un peu de thune, je peux t'en passer comme ça, il n'y a pas de souci, frérot. On est là. Donc là, 5 000 crédits, c'est pas intéressant. 125K, c'est intéressant. Je suis à 147 millions quand même, c'est. Faut le dire. Ah, les 250K qu'on a loupés. 15K. Ok. 10K. Oh, la M3. Bon, je l'ai déjà, hein, mais. RS2 avant. Ça, je crois que c'est pas du tout rare dans les tirages. Arrêtez-moi si je me trompe. Allez, la limousine. Ah, dommage. Le mec, tu sais, il chope que des limousines. Normal. Ouais. Oh, la 8 c'est compétite zone en légendaire, dommage. Oula, là ça me semble pas top. Oh, la M2. Ah, dommage. Je l'ai déjà, hein, mais bon. Si, voilà, il y a des nouveaux, je peux leur vendre pas cher. Il y a des débutants dans Forza, il n'y a pas de soucis. Allez, 175K encore, frérot. On est là, les crédits, on est là. Ça va être un crédit opening, frérot. Je crois que le prochain titre, je vais l'appeler comme ça. Tirage opening, crédit opening, frérot. Oui, je suis désolé, j'utilise frérot. Je sais, c'est une expression qu'a comme utilise tout le temps. Il y a des gens à qui ça plaît pas du tout, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime bien le dire, donc bah, je l'utilise assez souvent, même dans la vie courante, que ce soit avec mes potes ou voilà. J'utilise assez souvent, vous pouvez leur demander, il n'y a pas de souci. Je l'utilise assez régulièrement, à bon escient comme on dit. Bon, on va peut-être avoir un truc rare, non? Peut-être. Et.
On a eu quelque chose de rare, des 100 000 crédits, frérot. Un Land Rover de 97, pas forcément. Oh! La NSX-R 2005, je la veux. Je l'ai déjà, je crois, mais. Qu'est-ce que. Ouais, dommage. Belle entourloupe, bien vu le jeu. Je l'ai déjà, la voiture d'Harry Potter. Ouais. Z3M coupé, si quelqu'un la veut, il n'y a pas de problème. La petite Jaguar de 2015, bien entendu. La Kia Stinger 2018. Celle-là, on peut l'avoir que dans les tirages ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr de ma connerie. Mais si elle est rare, bah y a pas de souci. C'est avec plaisir que je vous la vendrai. Enfin, que je vous la lèguerai, si je peux me permettre. C'est le mec, ça y est. Il a eu un tirage à 1 million, il starac et tout. Il parle comme les aristocrates. Oh là, on m'a perdu. Je suis pas Socrate, moi, ouais, je te le dis. Oui, je dis de la merde, ouais. Exactement, j'espère que ça fait rigoler. Eh ou, derrière ton écran, t'as intérêt à rigoler, ok? Parce que sinon, on va commencer à appeler l'inspecteur la bavure! Le mec trop chiant. Mais qu'est-ce que je suis chiant? Ah, inspecteur la bavure, tu connais pas? Bah, c'est le mec qui parle dans son micro comme un bolos, bien près, comme ça il te casse bien les oreilles, tu vois. D'où son nom, inspecteur la bavure. Voilà. Allez, salut, merci. C'était cool. On peut refaire ça quand vous voulez, y a pas de soucis. 20 000 crédits, ouais, 20 000 crédits. Ok. La Cobra, ouais, bon, on a vu mieux. Ouais. Ah, j'ai. Y a pas souvent d'édition raison hein, qui tombe là, ça veut pas. Hein. Integra Type R, ouais, ok. 2 000 crédits. Les gens, ils vont péter un plomb. Oh, une Ferrari. 575M Maranello. Bon, je l'ai déjà, mais. Oh, il y avait la M3 de 2003. Je sais que les gens ils vont péter un câble parce que la dernière fois j'avais que des vêtements. Et là j'ai que de la thune. Surtout que le tirage à 1 million. Pa. Ça va être affolant. Je te le dis moi. Bon. Oh, oh. Le petit Caterham. Il me semble que je l'ai déjà en double. Donc ça aussi c'est à vendre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir même si je l'ai déjà. Parce que comme ça je pourrais le vendre à quelqu'un qui ne l'a pas, même s'il me semble qu'il est pas trop rare, parce qu'il avait été dans les boutiques Forzaton, je crois, saisonnier, mais je suis pas sûr. Enfin bref, si quelqu'un le veut, il n'y a pas de problème. Contacte-moi et envoie-moi un message sur Xbox ou en commentaire de cette vidéo avec ton gamertag, etc. Ou tu m'ajoutes sur Xbox et que tu me dis tu veux le Caterham, voilà. Gentiment par contre, pas obligé de m'agresser non plus. On n'est pas là pour agresser des gens. Oh! Allez, ça dégage! On n'enchaîne pas les voitures collector, nous! Non, enfin, elle est pas collector, mais elle est rare. Voilà, le Golf 6R, dans les tirages, elle est dure à avoir. Il me semble qu'elle était dans la boutique saisonnier, il y a pas longtemps. Dans la boutique, ouais, Forzaton, saisonnière. Il me semble qu'elle y était il y a pas longtemps, mais bon, si quelqu'un la veut, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je te la vendrai, frérot. Faut me contacter, et voilà. Pour la 800 E12 aussi, ce serait sympathique. Si quelqu'un passe par là, il l'a, bon voilà, tu peux. T'es là, t'as la voiture, je l'ai déjà, mon pote il l'a pas. Tu peux me la vendre, tu vois. Pour que je lui la donne, enfin pour que je la vende aussi. Donc y a pas de souci, je peux cracher la monnaie. No limit to the money, comme dirait Migos. Oh, une soub encore. Allez, une auto du Seine. Ah. Y a pas de voiture légendaire là. Allez, t'es mort, donne la voiture légendaire. Oh non, on l'a loupé. Ma voix elle est partie en couille d'ailleurs aussi. Oh le Ford là. C'est pas cool hein. Il y a une voiture édition raison, va-t-on la voir? Ah c'était un Caterham encore, mais ils sont sérieux. Putain mais cracher les voitures édition raison là. Donner. Donner, putain. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Voilà, ça veut totalement rien dire dans un tirage opening, mais bon. C'est pas grave, on est là. 120 000 crédits, bah bien sûr mon pote. Oh! Ça je le veux par contre. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Je vais l'avoir normalement. Et bah bien sûr que non! On a 10 000 crédits. No limit de money. Oh! Oh! 20 000 crédits encore une fois. 20 000 crédits deux fois. Et c'est gagné l'enchère Michel! J'en ai marre putain. Mais arrêtez-le ce mioche. Mais qu'il est relou! Oh, 175 000 crédits, je m'y attendais pas du tout. Le Ford Raptor, je l'ai déjà.
5000 crédits, ok. Ah, ok. Le tri-wheeler, bah, si quelqu'un le veut, il n'y a pas de problème. Attention, que va-t-on gagner? Dommage, moi j'aurais dit qu'on allait gagner la Fiat. Mais non. Oh, oh. Et ben non. Voilà. Et encore non. Je suis désolé, frérot. Le jeu il est là, il veut pas que je gagne. Oh! Pouh! Encore 1 million de crédits. Bah alors. Salut! Comment avoir 1 million de crédits sans rien faire, frérot? Bah voilà. C'est pas compliqué. On est là. Non, pas que les 1 million de crédits, comme diraient les pro players FIFA. Ça, je peux pas te le revendre, du coup, tu vois, mais bon. Tranquille. Oh là. Donc, du coup, bah, autant te dire que je suis plutôt bien. On tombe sur une légendaire, la petite AMG CLK GTR de 98. Ça fait plaisir. On tombe deux fois sur du légendaire, là. Quand même, au bout de plus de 100 tirages, faut peut-être pas pousser mémé dans le caniveau, tu vois. Ouh, ça il me semble que c'est rare par contre. La Honda Civic Type R de 2007. Attends, je sais plus si c'est celle de 2007 ou celle de 90. Je sais plus. Enfin, il y en a une qui est. Je me trompe peut-être dans les dates. Hein. Mais il y en a une qui est rare. Je sais plus laquelle c'est. Mais je sais qu'il y en a une qui est rare. Non, les métaux de monnaie. De toute façon, dites-moi, hein, il n'y a pas de souci. Quelle voiture vous voulez? Quelle voiture vous voulez pas? Quelle chaussette vous voulez manger? Ah, ça n'a rien à voir. 150K, bien sûr, mon pote, on est là. Voilà, ça c'est beau! Lamborghini Asven. Pourquoi je dis Asven? Lamborghini Aventador LP. Et ouais, de 2016, la SV 2016. Donc celle-là, si quelqu'un la veut, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà. Et je sais qu'elle est rare, elle est dure à avoir dans les tirages. Donc si quelqu'un veut l'acheter, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, envoyez-moi un petit message ou commentez la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, parce que quand même on a quand même eu deux tirages à 1 million, quelques éditions raison, on a eu la limousine, on a eu l'Aventador SV. Là les frérots, il faut lâcher le pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à le mettre s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Non, je pense pas qu'il soit rare quand même, le LM02. Oh, il n'y aurait pas une petite Porsche légendaire. Et non. Je m'ai mis un stop. Dommage. Le jeu il fait trop le fou avec moi, je trouve. Tu vois, il est là, il tire les mauvais tunings, il tire pas les tunings. Eh frérot, oh le Touareg, le Mazou. 999 tirages. Ouais, ça c'est un peu de la merde, il me semble. Oh, la petite Skyline de 73. Eh ben écoutez, si quelqu'un la veut, il n'y a pas de souci. Vous savez ce qu'il faut faire, où ça se passe. N'empêche, on arrive à tomber quand même plus facilement du coup sur des voitures rares, étant donné que les vêtements qu'ils mettent dans les tirages, je les ai tous. Ça, c'est plutôt sympathique. 130 000 crédits. L'odeur des crédits, je la sens bien. Je suis là, tranquillou, les petits crédits pour mes fans, pas pour mes fans. Ouais, ça c'est pas top. Ouais, Ford Focus RS, je l'ai déjà. Si quelqu'un la veut, pas de problème. Non, les métaux de monnaie. Y a pas le sushi, mon pote. Y a pas de sushi biker, mon pote. Ah, MDR. Oh, il y avait la. Ah non, c'était pas la Dodge Charger du monde. Ce qui était 2015. Oh, la Type D, la Jaguar là, qui coûte 10 millions. Ça, je l'aurais bien vendu pour pas cher, ça. Pour faire plaisir. C'était pour faire plaisir. Ah, 2000 crédits, ouais. Ouais, la Clio RS, ok. 7000 crédits. Il faudrait qu'on finisse avec un petit truc extrêmement rare là. Je rêve au-dessus, il y avait une Chiron. Saint Martin Vanquish. Ça va vanquisher des nerfs, frérot. Ouais, ok. Des crédits. Toujours plus de crédits. Toujours plus! Allez! On a que des crédits, ma main. C'est une pluie de crédits, frérot. Je peux dire que là, par contre, ça me fait plaisir. Les crédits du Sien, là. Allez, 200 000 en plus. La petite Mazda du Sien. 100 000. Si on retombe sur un petit 1 million, ça pourrait être sympathique. Hein. Je vais pas te mentir. On est plutôt yambo. Ouais, d'accord.
Ok, la Falcon, je crois qu'elle est pas rare. Dommage. Allez, une petite voiture rare encore. Ils veulent pas, hein, putain, ils veulent pas me la donner. Hein. La Diablo SV, il me semble qu'elle est pas rare. Allez, faites tomber la voiture rare là. Porsche Cayman GT4. Il me semble pas qu'elle est rare celle-là, mais elle est plutôt belle. Donc voilà, si quelqu'un la veut, pas de soucis. Hein. Aucune voiture n'a été maltraitée durant ce tournage, hein, je tiens à le préciser. La Bentley Continental, elle est pas rare. Il me semble pas, peut-être que je me trompe. Encore une fois, le million de crédit. Oh. Ça veut pas retomber le million de crédit, hein. Fais un peu trop le fou le jeu avec moi. Eh, hey, le jeu, tu fais un peu trop le malin. Si tu continues, on va appeler Neoxy, hein. Il va arriver, voilà. Bon, ok. Voilà, Sirocco. Eh ben non. Et c'est. Non. C'est perdu. Et non. Le mec, il est là dans. Non. C'est. Non, pas possible. Je suis désolé, mais ça sera pas de possible, bro. Oh. Chevrolet Bel Air, ouais. Voilà. Une petite Crown Victoria, est-ce possible? Apparemment, non. Merci le jeu de me mettre un toast, c'est gentil. J'en demandais pas plus, bien entendu. Pas se mentir. Voilà, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Hein. Ils veulent pas tirer les tunings, quoi. 250K, c'est intéressant. La petite E63MG, si j'en ai une autre aussi, c'est pas. C'est pas du refus, tu vois. C'est pas. Je dis pas non. Putain, ils veulent pas. Putain, j'ai que de la merde là, depuis 5 minutes. Ouais, la Viper. Bon, est-ce qu'on peut continuer à enchaîner les voitures rares Forza ou pas du tout? Je crois que le jeu est pas déter. De toute façon, ça va être la fin de la vidéo. Je crois qu'elle est pas rare. Putain, même si je parle plus, ça marche pas. Bon, allez. Le dernier, les gars. Allez, on en ouvre encore 3. Et c'est la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. 3, hein. Donc vas-y les gars, c'est parti. Espérons qu'on ait de la chance. Allez, c'est faisable. Dommage, on a failli avoir la F50 GT. C'est dommage. Allez, l'avant-dernier tirage, espérons qu'on ait de la chance. Que va-t-on avoir? Peut-être des crédits. Bah oui, Michel, c'est des crédits. Allez, le dernier tirage. Que va-t-on avoir? Le dernier tirage. Est-ce que ça va partir de tous les côtés? Ça a marqué attention, but, passe D, passe centrale. Et ça part sur une. Une BMW Zeta! Putain, tu pouvais pas me donner un truc un peu mieux là? Bon, dernier tirage, c'est le dernier, c'est là, c'est le moment. Il peut marquer, ça fait une passe défensive sur le tirage. Ça tourne, ça part sur des crédits. Et ben non, ça partira sur une Alfa Romeo 4C de 2014. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à la partager à tous vos frérots. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire quelle voiture vous voulez que je vous vende et à m'ajouter sur Xbox. Il n'y a pas de souci. Mon GT s'affiche à gauche, forcément, vous pouvez pas me louper. Donc voilà, sur ce, ciao la bise, prenez soin de vous, portez-vous bien les frérots, salut, ou salutez comme vous voulez du coup.